c'est la Team S3 et aujourd'hui c'est le S3 Challenge. Comme vous le savez, la S3 Family, il y a la dernière Urban Pana Ball qui est sortie. Et à cette occasion, on va faire un S3 Challenge basé sur le Pana. Cette balle, elle est faite spécialement pour le Pana. Elle rebondit pas. C'est une taille officielle du futsal. Elle accroche un petit peu. Donc ça vous permet de mettre les meilleurs Panas du monde. D'ailleurs, reste à la fin de la vidéo. Il y aura une petite surprise. C'est parti. On va tout de suite vous présenter le challenge. Il y aura deux phases, les qualifications et la finale. Pour les qualifications, on va avoir tous une minute pour mettre un maximum de Panas aux gens qui marchent. Mais attention, à la fin de cette minute, il faudra mettre un spécial Pana. Et oui, deux joueurs de la S3 auront les jambes écartées. Et à 5 mètres de distance, on devra leur mettre des Panas dans les 10 dernières secondes pour avoir un point bonus. Oh, et la finale, ce sera un Tennis Pana. C'est final. Bon, premier compétiteur Pana Bowler, Mister Jiminio. Voilà, Jiminio, tu vas avoir une minute. 3, 2, 1, go. C'est parti. Allez, on lui va voir la pared. Non, 5 secondes. Ok, 1, 2, 3, 3, 3, 3. Eh, Jiminio, il est chaud, hein, il se débrouille d'où? Oh non, tu valides pas. Jiminio l'a fait péter les jambes, mon frère. Il y a un mec qui est tombé casse. Oh là là, tiens. Non, c'est pas cherché. Pendant ce temps là 5, il a bien pas là. Non, 45 secondes. Non. Il va loupé quand il tire encore. Mais il m'emmerde. Putain, c'est trop dur. Ok, Jiminio a commencé fort. Il a mis 6 panas en 1 minute. Avec notamment un panas sous la voiture, messieurs Dem. Entre les jambes de Sean Garnier, messieurs Dem. Donc non, c'était chaud. Il a fait tomber quelqu'un, c'est pas moins 10. Ouais, j'avoue, non, c'est crossover. T'as pas mis le point bonus. Mais bon, donc du coup, le suivant, c'est à moi. On passe au prochain challenger, Sean Garnier. Est-ce que t'es prêt, mon ami? Moi, je suis pas prêt, de fou. 3, 2, 1, c'est parti. 2. Vas-y. Il reste 5 secondes là, non? Allez-y, allez-y. Non. Oula. Non, c'est pas passé là. Il a mis cher. On sait plus à combien il est. 7 ou 8. 9. Combien de temps, Annie? Ah ouais, c'est mis devant. Attention! Attention! Envolé! Oh non! Allez, j'avais un mur devant moi. Et il a réussi, enfin il a pas réussi son dernier challenge, c'est pas grave, c'est... Il a quand même fait 42 panas, ou 70, je sais plus. Non, entre 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou... Non, mais il a pas compté aussi. Je crois qu'il y avait 7. Ok, comme d'habitude, il y a des litiges sur mon cas, il a dit 8 ou 9 ou 7. Moi je dirais 9. Pour l'instant je suis devant toi, au classement. Donc c'est à Andreas de partir. C'est chaud, Andreas, t'es chaud ou pas? Non, vraiment pas. Andreas, t'es prêt? 3, 2, 1, go. Fermez les jambes, les gars. Il y a personne, wesh. Il y a plein de monde. Et sur le côté gauche là-bas, là, hop. Tu viens mettre un pan à la meuf, ok, il met le pan à la meuf maintenant. Il reste 10 secondes. Là, 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 là. Messieurs dames.
J'ai tout misé sur celui-là. 2-6. Ouh là là, Andreas revient à égalité avec Jimino avec le special point de la fin. Yeah. Franchement, il était beau. Hein. Ouais. C'est fatigant. Ouais, de ouf. Quand elle s'énerve, Melo en pana. Je te jure, des fois, elle s'énerve, elle met des tacles aux jambes, ouais, et tout. J'ai jamais vu. Yo la S3 Family, c'est reparti avec Melo Melo Dai. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, il est passé. Il est passé, vas-y, on va la compte, on la compte. 1. Elle a loupé encore. Ça fait 2 pour Mélodie. 2. Marchez, marchez. Putain, j'y arrive pas. 3. On voit pas ce que derrière la voiture. Ouais, elle se cache, elle se cache. 4. combien? Annie, ouais. Il te reste une minute pour montrer que t'es pas un loser. Ok, 3, 2, 1, let's go. Ouais. Déjà, comme t'es une meuf, je rajouterai des points. Calme, calme, calme. Trois, mais je vais. On est à 3 là, 3 pour l'instant. Tranquille, tranquille, il reste plus de 30 secondes, j'ai 30 000 là. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, il en reste plus que 2. T'attends, 40 secondes, 40 secondes, 5. Ouais, j'ai pas fait. Là, il commence, 45 secondes. 6, 6. Dernier là-bas. Si, si, si. Mais non. Ok, comme tout le monde est à égalité, il va y avoir un défi ultime pour se qualifier pour la finale. Celui qui va se qualifier va jouer contre moi. Le défi ultime est celui-ci. Il va devoir me mettre un petit pont normal. À la suite de ça, il va arriver à la ligne. Il va devoir me mettre un petit pont à distance à Annie. Voilà. Et pour ça, tu vas avoir 5 secondes. 3, 2, 1, et ça fait 1, 2, 3, 4. Non. 1, c'est parti. 5, 4, 3, 2. Oh, je suis même pas sûr de déjà mettre le pana à CR. Go 5. Non. Tu me mets pas de pana. Go 5, 4, 3, 2. Oui, mais non. Yes. Représente 9, 4. 2, 1, ça fait 5, 4. Ah. Non, mais tu dis le départ là. 3, 2, 1, départ. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, départ. 3, 2, 1, 5, 4. 3. Il a mordu. Il a mordu. Quoi? 5, 4, 3, 2, 1. Mais non, non. Il a fait 3 secondes en 5 secondes. Wesh. Go. 5, 4, 3, regarde, 2, 1. Oh, c'est pas fini le tour, hein. Il est pas fini encore. Ouais, il est pas fini. 5, 4, 3, 2, 1. Arrête de mordre. Ouais, c'est bon. Tu as gagné. T'avais mordu. 1, 5, 4. 3, 2, 1, voilà. Il avait la chance de prouver que c'était un. Que c'était, voilà. Voilà. Ok, on passe à la finale. Donc la finale. Ouais, j'entends pas le signal. Je suis mon gars. La cité, la cité, la cité. Et bah ça tombe bien, abonnez-vous. Toujours à l'heure le mec. Toujours. Ça tombe super bien. En fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez tous choisir votre camp. Donc deux d'un côté, deux de l'autre. Et le perdant de la finale va entraîner son groupe dans un gage. Attends, et... mais en vrai là, je sais absolument pas ce qui se passe. C'est pas grave. Le perdant du challenge, ouais, son équipe va devoir faire la danse qui est à la mode en ce moment. C'est mort. Non mais tout aussi, t'as un. Le crampon là. Ouais. Ah, vous okay, connaissez vas-y les règles du tennis pana, vous choisissez votre équipe. Bah, même moi j'ai envie d'aller avec ça. Les règles, ouais, je suis avec lui. C'est bon, on a les équipes. Du coup, Mélodie et Jimino seront dans la merde si je perds. Et Trafalgar et Annie seront dans la merde s'ils perdent. 3,
2, 1. Et pourquoi pour lui, vous bougez pas, ouais. Bougez, ça favorise. Mais parce que c'est le champion du monde, ouais. Bougez, monsieur. Bien joué, monsieur, c'est bien. Il faut qu'il perde, lui. C'est la pression de ouf, hein. Je savais que t'allais gagner, gros, là je t'aime. Tu savais qu'il allait le faire. Non. C'est le point gagnant, celui qui gagne ce point a gagné le challenge. Pierre Feuille Ciseaux pour savoir qui commence. Attends, c'est quoi Pierre Feuille Ciseaux, il y a quoi comme possibilité? Pierre Feuille Ciseaux. Pierre Feuille Ciseaux. Mais Ali, c'est toi. Non, c'est pas Eladji, il veut me tricher. Pierre Feuille Ciseaux. C'est qui? Bam, c'est bon, j'ai gagné. Non, vous avez triché, il a gagné. Oh, t'es dangereux toi, non, t'es dangereux. Non, madame. Voilà. Madame, s'il vous plaît. Non. Shootez le mur, madame. Scapez les jambes. On a gagné, mon gars. Non mais j'étais galant. Elle a dit s'il vous plaît monsieur, j'essaye d'avancer. J'ai moi, bon samaritain que je suis, je me suis dit ouais je vais perdre. Je me suis dit que si je prenais une meuf avec des talons, ça allait toucher ta sensibilité. Bah ouais, mon gars. Merci pour votre apparition. Ces énergumènes se sont mis en plein milieu de la foule et vont devoir faire la Dame Tokosita Challenge. Donc regardez-moi bien, c'est parti. Vous êtes prêts? Pour ce gage, on a un expert, on va le suivre. Professeur, montre-nous. Professeur, okay. Allez, tentacule. Ok, attention. 3, tentacule. 5, 6, 7, 8. Tokosita. Oh là là. Après là c'est ça. Yo, c'était la Team S3. On espère que vous avez kiffé ce challenge. Nous en tout cas on a kiffé, c'était marrant de faire des pas dans la rue, hein. Comme vous avez dit en début de vidéo, il y aura une petite surprise, bah c'est très simple. On va vous mettre un petit code promo pour avoir la Panaball. Donc en mettant ce code promo qui est S3 sur le site Panaball, vous aurez une réduction qui vous permettra d'avoir la Panaball. Et aussi ce qu'on va faire, c'est qu'on va signer tous une Panaball et on va l'offrir. Et on fera quoi? On fera un tirage au sort dans les commentaires dès que la vidéo elle aura plus de 10 000 likes. Voilà, tout simplement. Mais dans les commentaires, il faut qu'ils disent un truc. Non. Comment on choisit? Moi je veux qu'ils donnent le meilleur commentaire sur la Team S3. Ouais. Tu sais, je veux qu'ils recherchent. C'est marrant, c'est pas marrant de voir le même commentaire tout le temps. Ça m'emmerde. Ça m'embête. Moi j'ai envie de faire. Ça m'embête. Ouais. Tiens, viens là toi. Vas-y, on peut applaudir Hakim pour sa magnifique chorale. Bravo Hakim. On applaudit cet LM. Et comme d'hab, la recette n'a pas changé, mesdames et messieurs. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout abonner.
Eh, la S3 Family, c'est pas fini. Et oui, on a fait une autre vidéo sur la chaîne Coachéan où on fait un tournoi de Pana. Et on s'affronte dans le tournoi de Pana. Donc il y a eu des petits ponts, il y a eu des gages, il y a eu des challenges. Allez checker ça. On se voit bien sûr la prochaine fois. Bye bye.